le cloud computing, qu'est-ce que c'est? C'est un mot un petit peu compliqué pour finalement dire très peu de choses. C'est Internet, comme on peut déjà l'utiliser et y avoir accès. Par exemple, si vous êtes utilisateur de Messenger ou des utilisateurs d'Xbox Live, en fait, vous faites déjà du cloud computing puisque vous accédez, sans le savoir, ou normalement vous le savez un peu, à des ressources qui se trouvent sur Internet. Le cloud computing, c'est ni plus ni moins que ça. On va introduire des nouvelles applications dans le cloud computing, comme par exemple Office 2010, que l'on pourra utiliser dans son navigateur, mais que l'on pourra également utiliser sur son PC, que l'on pourra utiliser sur son téléphone mobile, et de façon complètement transparente. Donc le cloud computing, c'est d'avoir des applications qui vont tirer parti de puissance de calcul qui va être sur Internet. Et on a également des offres pour les entreprises à travers Windows Azure par exemple, qui va permettre de créer des applications, des sites web à la mode de Messenger, d'Office ou d'Xbox Live et qu'on va pouvoir utiliser depuis son ordinateur, son téléphone mobile ou pourquoi pas sa console de jeu, sa télé ou n'importe quel autre type d'écran ou de navigateur.